Combien de fois, mes amis, Dieu doit-il nous parler pour nous montrer qu'il n'est pas venu bâtir le christianisme? How many times does God need to come and teach us that he did not come and build Christianity? Qui vous a dit que Dieu doit être défendu? Needs to be defended. Il n'a pas besoin des hommes pour être défendu. No defender. Il a dit à Job, quand j'ai créé le monde, Job, où étais-tu? The earth, where were you? Il dit, va interroger l'hippopotame. C'est ça le langage de Dieu. Il dit, va voir l'hippopotame, la première de mes œuvres. Pose-lui des questions. Ask him. Vous voyez, frères et sœurs? Il dit, tu parles, vous parlez. Va voir l'aigle, pose des questions. Comment il fait pour aller dans les hauteurs là-bas? Il lui a donné cette sagesse, cette intelligence pour balancer ses oiseaux forts dans ses aiglons dans le vide. Va lui poser la question. Go and ask him. Regardez le ciel, comment les oiseaux se dirigent. Look up to heaven, how, you know, the flow, en fonction des saisons, ils se déplacent. Et ils n'ont pas besoin d'un billet, d'un passeport, d'un visa. Alléluia! Il dit, bah, pose-moi la question. Monsieur Oiseau, où allez-vous comme ça? Non, c'est l'hiver en France, nous allons en Tunisie pour nous prendre du soleil. Qui a donné cette intelligence? Il y a un oiseau là, comment on appelle le colibri, je sais pas quoi là, qui fait marche arrière. Voilà. Vous voyez comme le seul oiseau au monde qui fait la marche arrière. Vous fabriquez des voitures, vous voyez que vous êtes plus intelligent que la créature, que le Dieu. You manufacture cars and you think that you are more clever. Servez vos véhicules, faites marche arrière, mais il y a un oiseau qui vous a précédé. With your cars, you can christianisme. It is not about Christianity. Je ne te dis pas d'aller te focaliser sur le Vatican. C'est pas ça, Dieu. God is not about it. Les gens sont fatigués, les gens sont malades. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est well, que I definitely love quand vous venez avec beaucoup de théories, when you come with a lot of theories, lui, il est pragmatique. He's really pragmatic. Il va pas beaucoup parler. He doesn't speak a lot. He moves, he acts. C'est ça Jésus. And Jesus is about it. Il n'a pas besoin que tu t'habilles en costume et cravate pour sermonner les gens tous les dimanches. To give teachings to people every Sunday. Je suis votre pasteur. I am your pastor. Il faut me respecter. You gotta respect me. Mais c'est pas ça l'église. The church is not about that. Démons sortent, oh non, je ne sais pas. Demons come out, oh non, tu sais, ils vont come out. Demain peut-être. The next day. Bon, ok, y a pas de problème. Ok, no problem. Demain, c'est sûr. Tomorrow, sure. Pas de problème. No problem. Mais la personne possédée. On part avec ses démons. Comes back. She gets back home. C'est pas ça, Jésus. Jesus is not about that. Vous savez pourquoi l'islam prend de l'ampleur en Europe? Is soaring. C'est parce que beaucoup de chrétiens. Because many Christians. Ne connaissent pas Dieu. They don't know God. Regardez ici, il y a des musulmans qui se convertissent. See here, there's Muslim people, they are getting. On leur prêche pas une église. We don't preach, you don't preach to them in the churches. Quand les gens rencontrent Jésus, whenever people meet, lorsqu'une Jesus, personne rencontre Christ, whenever somebody comes to know Christ, vous ne pouvez plus la tromper. You can no longer la saisir, la contrôler, mais c'est pas possible. Grab her and control her. It's not possible anymore. Frère, Dieu. J'étais à Brazza, un de conseils du président vient me voir à la maison. When I was in Congo, one of the president consultants came to me for prayer. Il dit non, je prendre une deuxième femme. I would like to have another wife. Car je suis beaucoup tenté really au travail. Alors pour éviter cela, donc je préfère prendre une deuxième femme. I'd rather have another wife. Et puis on m'a viré aussi de mon boulot. I got fired from my job. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Said, no problem. Il dit non, j'ai appelé un de mes amis qui est au Vatican. Il m'a dit, bon, on va voir ça. Vatican, he said, okay, we'll je lui ai dit, arrête d'appeler le Vatican. Said, stop calling Vatican. Il est temps maintenant que tu te repentes. It's time for you now to repent. Que tu reçoives Jésus-Christ. And for you to receive Jesus le Christ. Dieu véritable. The true God.
Il a donné sa vie à Jésus. Dieu me dit, dis-lui. Une autorité va l'appeler bientôt là pour, n'est-ce pas, pour le convoquer. An authority will call him up to convoke him. Pour le réhabiliter. To put him back in his job. And this exactly what happened. Precisely. Il m'appelle il y a quelques jours. Some days ago, pastor, called me, pastor. Ben oui. Yes. De nouveau, il travaille. And now again, it works. Est-ce que tu as payé? Non. Did you pay for that? No. Est-ce que je te donnais un gris-gris? Non. Did I give you an amulet? No. Juste présenter just la parole. Jesus. Just saying Jesus and the word. Dieu m'a dit une autorité. Toute autorité vient de Dieu. Frère, brothers, au nom de Yeshua, in the name of Jesus, vous voulez lequel, quel évangile? What gospel do you want? Quel Dieu? What God? Si nos autorités vont voir des marabouts, c'est parce qu'ils ne voient pas l'Église. If our authorities are going to marabouts, it's because they don't see the church. Parce que ces hommes et ces femmes ne voient pas les because véritables men chrétiens. Men and women don't see the true Christians. Nous sommes enfermés dans nos bâtiments, dans nos maisons. We are locked into our houses and buildings. Mais l'heure arrive. But the time has come. L'heure est déjà arrivée. The time has already come. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tous ceux qui sont ici qui vont vivre là le réveil véritable. All of us here that will live the revival. Just a little que Dieu seul connaît. That only God knows. Amen. Ces hommes et ces femmes seront men and women will moins par le Saint-Esprit. Anointed in the Spirit. Il y a des malades. People are sick. Ces hommes vont voir des marabouts. These men are going to marabouts and tell them stories. Prenez tel fétiche. Go take this. Mettez-le à tel endroit. Put it someplace. Cette parole qui est sortie. This word en disant, une that came out saying that one authority was Dieu l'a accompagné. The Lord accompanied. Et cette grande femme. And this great woman called him up. C'est ça l'évangile. This is the gospel, brothers and sisters. Qui veut vivre autre chose? Who wants to live something else? Le langage de Dieu. The language of God. Nous voulons continuer dans ça. We want to keep going into that. Keep preaching about that. C'est le message que Dieu donne actuellement. This is the message the Lord is giving currently. On a fait commencer un livre là-dessus il y a trois jours. And he asked me started a book about this subject 3 days ago that I'm already sur le langage de Dieu. About the language of God. Comment Dieu parle? How does God speak? C'est ça c'est la grande question que beaucoup de chrétiens and this posent. Is the big question that a lot of Christians ask themselves. They wonder comment Dieu how does God speak? Comment on connaît son langage? How recognize his language? N'est-ce pas? Yeah. Isn't it true? Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient d'où? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. It is impossible to please him unto God. Alors, vous comprenez pourquoi? So, you understand now why c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? So hard for us to discern le langage de Dieu. The language of God. De saisir le langage de Dieu. And to grasp the language of God. Beaucoup de gens viennent me dire, Dieu m'a dit, words and say, God told me, God told me. Mais quand on vérifie, but when you check, non, Dieu n'a rien dit. No, God did not say anything. Je vais te prendre de leur chaîne pour me le rappeler. Dieu n'a rien dit. God didn't say anything. Comment Dieu parle? How does God speak? Nous savons une chose. We know something. C'est que nous avons été créés that we've been pour dialoguer avec Dieu. To chat with God. Alléluia. Alléluia. Créé pour parler avec Dieu. Parler et entendre Dieu. And hear him. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre entendre you et comprendre. Must know that there's a difference between hear and understand. Alléluia. Alléluia. Il y a une différence. There's a difference. Regardez. Look. Yaka. Yaka. Qui a entendu cela? Et qui l'a compris? And who understood that? Come. Très peu de personnes. Many, a few people understood that. Venons. Come. Qui a entendu? Who qui a compris? Who heard that? And who understood? Voyez? You see? On peut tous entendre le même son. We may all hear the same sound. Nous sommes combien ici? À peu près. How many of us are à peu près 400, 500? Maybe 40. I mean 500. Je crie. Tout le monde entend. I cry, I scream. Les 500 personnes et ceux qui sont chez eux nous suivent, ils entendent également. All of those who are hearing, et on risque d'avoir hear me, plus de 400 compréhensions. But we might have over 400 different understandings. Et c'est là que ça coince. And this is the issue here. On peut bien entendre la voix de Dieu. We can hear properly the word sur la forme the language of God, d'une prophétie.
in the form of a prophecy, d'une vision, a vision, d'un songe, a dream. Mais c'est la compréhension qui coince. But the problem is vraiment. Understanding, right or wrong. Alors la compréhension c'est quoi? So what? C'est l'interprétation. What understanding? L'explication. The interpretation and l'explication. The explanation. Pendant que j'écrivais ce livre hier, as I was writing this book here yesterday, et le Seigneur me disait ceci. The Lord was saying to me, vous êtes comme des émetteurs récepteurs. You are just like sender and receivers. Alléluia. Alléluia. Voyez, donc nous recevons et nous devons émettre. Nous recevons et nous émettons. We receive and we send. Et il me parlait, mais tu sais, vous êtes comme des antennes. You are just antennas. Comme des téléphones portables. Just like cell phones. Voyez, le téléphone, avec votre téléphone portable. Cell phone, you with your cell phone. If you're on a cell phone, does somebody have a cell phone up in here? Probably. Oh, la technologie. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voyez, God be blessed. You see? Avec cet appareil, with this, ça c'est le chrétien. This is the Christian here. Et Dieu me disait, and God was saying, pour qu'il fonctionne, for him to work. En fait, ça c'est le chrétien. This is the Christian here. Et il y a des antennes relais. The antennas. D'accord? Ça c'est le Seigneur. This is the Lord. La centrale également c'est le Seigneur. Base. Dieu va émettre des ondes. The Lord will send waves. Les ondes c'est le langage de Dieu. And the waves are the languages of God. Pour que ce téléphone, le chrétien, capte ces ondes, and for this Christian to receive, il faut premièrement une batterie. First of all, he needs a battery. D'accord? Amen. Et la batterie? And the battery? C'est une batterie intégrée, une batterie intégrée. Donc ça c'est put inside. C'est l'esprit humain, l'esprit de l'homme. So the battery is the human spirit. Le langage de Dieu, on le comprend d'abord avec son esprit. The language of God, we understand it firstly with the human spirit. Et cette batterie pour être rechargée, elle doit in order to be reloaded, connectée. In order to be charged, c'est la relation. Need to be connected. It's the relationship avec le Seigneur. With the Lord. D'accord? Right. Et la deuxième chose que ce téléphone doit avoir pour capter, second thing that this cell phone pour fonctionner, il faut une antenne intégrée. Put in. D'accord? Mm-hmm. Pour recevoir. In order to receive. Il faut une antenne. We need an antenna. Il faut un décodeur pour un poste de téléviseur. We need something to decipher. L'information vient de la centrale. Comes from the base. Si la batterie est HS, the battery is died, mais dead, le téléphone ne capte rien. The cell phone doesn't roam anything. It doesn't roam. Si y a la batterie, ne dormez pas. Amen. There's battery in it. Ça va? Faut aimer l'enseignement. Amen. Si y a une batterie, mais pas d'antenne. If there's a battery but no antennas, le téléphone ne pourra pas. The cell phone will not be able to work. Se connecter. Nous sommes d'accord. And to be connected. We all agree. Donc, il faut une batterie intégrée et une antenne intégrée. And an antenna. L'antenne ici, the antenna here, la batterie, on a vu, c'est l'esprit humain. The is the human. L'antenne, ça peut, on peut voir, c'est aussi le cœur de l'homme. Par exemple, the heart of the man, for example. Voyez, le Seigneur disait dans Marc chapitre 7. You see, in Mark chapter 7, Jesus ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. It's not about what comes in the man. C'est ce que l'homme émet. But it's about what comes out. Donc nous sommes des émetteurs, récepteurs. So we are senders and receivers. Nous recevons, we receive, et nous émettons. And we send. Mais si nous recevons mal le message de Dieu, we receive wrongly, nous allons mal le retranscrire. We will send it back wrongly too. D'où la multiplicité des sectes. Hence, the different dénominations, the various skills and the denominations. Un seul message émis par le Seigneur, la Bible, given by the Bible and by plusieurs interprétations, many understandings. And c'est le livre que je suis en train d'écrire en ce moment. And that's the book I am writing. Hier, le Seigneur m'a fait travailler jusqu'à 4 du matin. The Lord had me, work on it at 5 a.m. Lord, il ne me lâche pas. Toute la journée de voix, tap. Tu te parles toute la journée, tu dors. Le soir, tu reposes un peu. La nuit, tu travailles. At night, you work. Voyez, ça c'est toi. This is you. Tu as été créé pour recevoir de Dieu et retranscrire. And to send back. Mm-hmm. Alors, l'eau à la source, elle est propre. The water in Alléluia. The is pure. Vous êtes comme des canaux. We're just like channels. Mais à l'arrivée, elle peut polluer. À l'arrivée.
L'eau entre par le canal, est propre. The water comes in the channel. Mais à l'arrivée, the water is pure, but at the end, elle devient sale. It becomes dirty. Beaucoup de mélange. Many, many mixtures. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Are you here? Vous devez aimer l'enseignement. You need to love the teaching. Alors, and so, autre chose pour que ce téléphone fonctionne, another thing for this cell phone to work, il faut qu'il soit à proximité d'une antenne relais, comme je le disais. It needs to be close to another antenna that is. C'est la présence de Dieu. This is the presence of God. Vous voulez connaître le langage de Dieu? If you want to understand the message of God, vous voulez entendre Dieu, comprendre Dieu. You want to hear God and understand Him. Eh bien, il faut une batterie spirituelle. Then you need a spiritual battery. D'accord? Le feu de Dieu en vous. Fire of God within you. Amen. Premièrement, firstly, il faut avoir, n'est-ce pas, cette antenne. And secondly, you need this antenna. L'oreille spirituelle. The spiritual ear. D'accord? Pour capter, pour entendre, pour to understand, to receive. Et là, il faut être à proximité. And now we need to be close. Dans une zone couverte. You need to be close to a zone, an area, you know, covered by the different wires. Alléluia. Alléluia. T'as la batterie, t'as eu l'antenne, l'oreille. You have the battery. T'es dans la zone à proximité d'une zone couverte. Par le réseau. By the wire. Et ensuite, il faut. And then you need. Maintenant, une volonté pour émettre. Tu as reçu. You need a will to send. Maintenant, il faut émettre. Because you received, but now you need to send. Voyez, il faut donner. You need to give. Tu prends, tu appelles. You take, you call up. Quelqu'un qui est en Australie. Somebody who's in Australia. Ça va? Hello, how are you? Alléluia. Alléluia. Non. Attends, il n'y a plus de réseau là. Look, I don't have any roaming now. Je te rappelle. I call you back. Tac, ça compte. Nope, doesn't work. Et c'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Le cas this pour is de chrétiens. Just the case for many, many Christians. Ils n'ont plus de batterie. They are, beaucoup de pasteurs. They are out of battery. Ou ils n'en ont jamais eu. Or they have never have. Ils n'ont pas d'antenne. They are out of antennas. Donc ils entendent bien la voix de Dieu. So they hear the word of God. Mais ils ont du mal à la comprendre. They hear the voice of God, but they don't have. Et encore moins à retranscrire fidèlement. And even less to send it back properly. Et je disais au Seigneur, mais donne-moi des versets. I was saying to the Lord, give me biblical verses. Ça veut dire que tu disais, la nature ne vous enseigne tellement pas. The nature doesn't it teach you? Ça là, this, c'est dans la Bible. It's biblical. This it is in la communication a commencé avec Dieu. Communication began. La télécommunication a commencé avec Dieu. The TV communication began with God. Comment Dieu parle avec Adam? How would God speak? Il a dit qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. He blew. Adam est devenu quoi? Une âme vivante. C'était une âme morte. Of life, and Adam became a living soul. Une âme non rechargée. He was a deadly une batterie non rechargée. And he was a deadly battery. Donc Dieu pouvait parler encore en bas, on n'entend rien. So God was able to speak to a dying body without our battery. Est-ce que vous comprenez un peu? Do you understand? Ce livre-là, je crois, va beaucoup nous aider. And I truly think this book is going to help us. Parce que moi-même, je suis enseigné. Vraiment, ça me. Because wow. I myself is really taught. Et une fois que Adam était rechargé, il a commencé à entendre Dieu. And as soon as Adam was charged, he began to understand God properly. Vous comprenez? Do you understand? Maintenant, vous qui êtes là. So now you are here. Si vous n'êtes pas rechargé, if you are not charged, si vous n'avez pas d'antenne, if you are out of antenna, l'oreille spirituelle, the spiritual ear, comment voulez-vous émettre? How do you want to send and give? Et si vous n'émettez pas correctement, and vous ne serez pas heureux. If you don't give properly, you will never be happy. Parce que vous avez été créé pour émettre. Because you've been created to give and to send. Créé pour parler de Dieu aux autres. Created to speak to other people about God. Le Seigneur dit quoi? What does the Lord ce peuple a des oreilles, mais these pas. People have ears, but these people have ears, but they don't hear. Ils ont des cœurs, mais ils comprennent pas. They have hearts, but they don't understand. C'est ce qu'ils me disent. Oh wow, Seigneur, là, tu m'enseignes le Seigneur là. You're teaching me, big time. Le Seigneur me dit ceci. The Lord was la qualité d'une image de the quality télé, of an image of a TV. Dépend de la puissance de l'antenne. Depends on the power of the antenna. Du décodeur. The router. Les satellites émettent des images depuis le ciel. Ça c'est Dieu. The satellites they send images from the universe.
Il faut l'antenne parabolique, ça c'est l'oreille. And you need the antenna. This is the ear. Pour capter. In order to receive. Et la télé doit recevoir cette information. Needs to receive pour émettre. La télé c'est toi. To send. Here, le public maintenant ce sont les gens qui doivent écouter. And now the audience is or those the entity those who are going. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu parce qu'il parle? Vous voyez que dans la Bible il y a la technologie. So you see in the Bible there's technology. L'homme ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Man cannot be. Ecclésiaste dit ce qui existe a déjà existé. Ecclésiaste said what is existing has already existed. Le langage de Dieu. The language of God. Voyez, you see, regardez les pharisiens. Look the Pharisees. Ils n'avaient pas de décodeur. They didn't have any router. Ils n'avaient pas d'antenne. They didn't have any antenne. Ils avaient les batteries déchargées. They were out of battery. Quand le langage de Dieu est arrivé, so when the language of God arrived, when Jesus turned up, ils l'ont mal décodé. They misunderstood him. Jésus dit détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtis. Destroy this temple and within three days I will put. Ils ont mal interprété le message. They misunderstood the message. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple. We needed 40 years to et toi, en trois jours, tu le rebâtis. And you, in 3 days, you are going to build it. Vous avez comme frère de soeur. Again, mais c'est la même chose aujourd'hui. You realize, brother, this is the exact same thing today. Dieu, depuis le ciel, envoie ce nouveau message. God, il n'est pas nouveau. Heaven, he sends his new message. Le retour à la parole. The return to the gospel. Le problème, c'est que les baptistes, les pentecôtistes, les presbytériens, les méthodistes. Les catholiques, les Pentecôtistes, la religion a tué nos oreilles spirituelles. Religion killed our spiritual ears. Habitués à écouter plus le pape, les hommes, les pasteurs que Dieu. Used to listen to pope and priest more than listening to God. Quand le message arrive maintenant, when the message turns up, le problème est qu'on a du mal à le décoder. That we have a hard time to understand it. Ceux qui payaient la dîme depuis des années se disent ah, nous sommes délivrés pour dîme. Donc plus de dîme, plus de soutien pour dans le milieu. So, no longer ils ont mal décodé les choses. No more support in the mission of God. They misunderstood the message. Et un message mal compris and a misunderstood message est mal diffusé va tuer. Is wrongly received and it will kill. Est-ce que vous comprenez un peu les choses? Vous êtes là? Are you here? Vous voulez qu'on continue? Vous avez trop chaud, vous voulez qu'on vous voie? Il fait trop chaud? Non. On ouvre un peu quand même. Et ouvert. Qui ne voyait pas les choses comme ça? Who wouldn't see things like that? J'étais là, Seigneur Jésus, mais c'est terrible. I was like, Jesus, je prends un exemple. Jésus arrive. C'est la même chose que nous vivons. Hein. Ce n'est pas que nous sommes de Jésus. Attention, il y a bien sûr Jésus. There's a soul Jesus. Jean-Baptiste arrive. John the Baptizer comes. Les pharisiens. The Pharisees. Les saints du Seigneur. The Sadducees. Les scribes. The scribes. Avaient la Torah. They had Torah. Ils connaissaient la Bible. They knew the Bible. Ils attendaient le Messie. They were waiting for Malachie. Malachi. Avait parlé du Messie. Had spoken about the Messiah. Donc ils attendaient. So they were waiting for him. Et maintenant, and now, quand Jean est venu, John en tant que le précurseur du Messie, as the one who was supposed to precede pourtant, the Messiah, chaque sabbat. However, dans leur synagogue, in their synagogues, ils lisaient they were reading le prophète de Malachi, the prophet Malachi, qui annonçait la venue d'Élie. That was announcing and heralding the coming of John the Baptizer. Mais il y avait un détail, but there is a detail qui n'avait pas été, n'est-ce pas, souligné. That had not been Malachi n'avait pas vu. Malachi had not seen. Élie allait s'habiller en vêtements de chameau, that Elijah en peau de chameau. En vêtements de peau de chameau. Camels, skins, clothing. Or le chameau, and the camel, chez les Hébreux, était considéré comme un animal impur. Was considered as an unclean animal. Voyez, Jean arrive. John comes. Tout le monde l'attendait. Everybody was waiting for him. Jean arrive. John turns up. Les chefs, the qui avaient la connaissance, that were the hat, non, non, pas décodé. They did not understand him. Alléluia. Alléluia. Et Jésus dit quoi? And Jesus, what does he say? Élie est venu. Elijah came. Ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. They ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est-à-dire ils l'ont minimisé, ils l'ont tué. Okay, they belittled him, they despised him, they scorned him. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'ils s'attendaient à un
because Élie, puissant sur le plan financier, matériel, because they were waiting for an Elijah powerful financially. Ils avaient mal interprété le message de langage de Dieu. The language of God. Frère, ce que je vous dis, c'est important. Interprétez mal le message de Dieu peut vous conduire à l'enfer. Car la foi de ce qu'on entend. Et si vous interprétez mal la Bible, mal les songes, les prophéties, eh bien vous égarez. Then you will be misled. Dieu parle. Il parle par les hommes. Il parle par les animaux. Il a dit à Job, regardez les scènes, tout Job. Look, il parle par, n'est-ce pas, les songes, les visions, les circonstances. And dreams. Je prends un exemple. Let me give you an instance here. Paul dit, Paul says, à deux reprises, twice, j'ai voulu me rendre à Thessalonique. I wanted to go to Thessalonica. Dans 1 Thessaloniciens 2:13. In 1 Thessalonians, il dit, Satan m'a empêché. Satan stopped me from going. À deux reprises, twice. Mais Paul a bien interprété le langage de Dieu. But Paul, he understood properly the message. Il n'est pas rentré dans un combat charnel, un combat spirituel charnel. Enter, you know, parce que Satan l'aurait foudroyé. A physical battle, because otherwise the devil had. Il a compris que c'était le langage de Dieu. Otherwise, the devil would have stricken him. He understood that. Que Dieu ne voulait pas qu'il aille à Thessalonique. He understood that God did not want him to. Et Dieu va utiliser qui? Le diable. And who did God? C'est le voisin Dieu souverain. Satan. Satan's neighbor. God is sovereign. Et si tu interprètes mal le langage de Dieu, tu vas commencer à voir le feu sur le diable. Et c'est ce que Dieu m'enseigne à ce moment. The Lord is teaching me. Mais Dieu, t'es trop fort, Jésus. You are strong, oh God. Encore plus, il m'a encore parlé d'autre chose. And he spoke me about something. Dans 2 Corinthiens 12. In 2 Corinthians. Paul remarque qu'il y avait un démon qui le foudroyait tout le temps. Paul, qui le frappait tout le temps. You know, in that is that un démon would strike him every time. Dis à ton voisin, un démon. Tell your neighbor, a demon. Frappait régulièrement Paul. Was, you know, currently, every time he was Paul, priez Dieu. Paul, he prayed. Seigneur, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je chasse le démon. I drive this demon out. Moi, Paul, qui est l'onction prophétique apostolique. The prophetic anointing. Établi par Dieu. Established by God. Démon, sors, va-t'en. Demons come out in the name of Jesus. Trois fois pour la prier comme ça. Three times. Il a dû jeûner pour ça. He fasted like that. Il entend la voix du Seigneur. He heard the voice of God. Paul, ce démon est mon langage. This demon is my language. C'est-à-dire si tu interprètes ce langage, meaning that if you understand, tu vas comprendre le message. Language, you will understand. C'est quoi le message? The message. And what? Reste humble. Stay humble. Alléluia. Alléluia. Je dis mais Seigneur. I said Lord. Donc tous ces démons là sont à ton service. These demons are, you know, submitted to you. Mais nous avons un papa terrible. Il est assis sur son trône. Et il donne des ordres. Le soleil obéit. La lune obéit. Les étoiles obéissent. Satan obéit. Les démons obéissent. Les sorciers obéissent. Car il est trop fort. Et Paul a compris le message. And Paul understood the message. C'était quoi? What was it? Quand je suis faible. When I am weak. C'est alors que je suis fort. Now then I am strong. Means that I am strong. Tiens, ton voisin, le langage de Dieu. The language of God. Nous, on s'attend seulement à ce que nous prophétisons. Oh mon enfant, je suis là parmi vous. Non, Dieu te parle tous les jours. Every single day. Le problème, c'est que t'es HS, ta batterie est tellement HS. We are so out. The batteries are so dead. Voilà pourquoi tu vas chercher les prophètes. That's why you go and seek prophets. Prophète Shoah Kwetu. Prophète Shoah Kwetu. Mais si tu viens, tu vas être déçu. If you come, you will be. As-tu une prophétie? Non. Do you have a prophecy? I don't. Va chercher Dieu. Go and seek God. Bah oui. N'as-tu pas une parole? Non, 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 j'ai rien. Don't you have a word? No, no, I have nothing. Laisse-moi tranquille. Leave me alone. Si les chrétiens comprenaient les choses, Christian, beaucoup de pasteurs vont faire faillite. Many, beaucoup de pasteurs vont être au chômage. Amen. Ils vont véritablement s'inscrire à la NPE. You know, work. Many pastors would go bankrupt. Qui comprend le message?
Dis à ton voisin, c'est juste l'introduction. Mais non, moi, Dieu ne me parle jamais. God never speaks to me. Non, tu mens, dis à ton voisin, tu mens. Je vais encore aller plus loin. Est-ce que tu sais que même les païens ne leur parlent? Do you know that tous les jours, God speaks to them every single day? Posez-moi la question. Comment? How? Déjà pour commencer. First of all, dans la Bible, in the Bible, Nebuchadnezzar, roi païen, Dieu lui a parlé. Pagan king, God spoke to him. Dieu lui a parlé de la fin de temps. God spoke to him about the end time. Pharaon, bien avant lui, Dieu lui a parlé. Pharaoh, even before him, he spoke to him. God spoke to him. Nebuchadnezzar dira que Dieu m'a dit de venir vous attaquer. Nebuchadnezzar said that God told me to go and attack you. Vous vous rendez compte? Alors il priait son Dieu, le Dieu Baal. While actually he was praying, le Dieu Nebu aussi. Nebu as well. Mais il y avait. But there had. Parle à tout le monde. But Yahweh said. Yeah, I mean, Yahweh si to everyone. Dieu peut parler à Satan, if God is able to lui poser des questions, d'où viens-tu? Ask him question, where are you coming dans from? In Job. Et les païens alors? What about the et ces créatures qu'il aime. Nous chrétiens, nous sommes tellement sectaires que nous avons pris Dieu comme seulement le Dieu le chrétien. Il est le Dieu de tout le monde. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père de ceux qui ont le Fils en eux. You can tell him, Satan, my God is your God as well. Paul dit, même si des êtres qui sont appelés Dieu, even though there are you know beings that dans are called le ciel et sur la terre, in heaven, néanmoins, in the sky and on earth, pour nous, nevertheless, there is a strong God. Ah, voilà qu'on continue vers le ciel. Tu enlèves les poussières un peu. You know, the Lord sweeps it. Oh Seigneur, enlève-nous les cotons religieux là, tout ça. Depuis des années, nous avons narqué les païens. Nous les chrétiens, notre Dieu. Les païens, qui les a créés? And the pagan, who did create them? Donc Dieu le parle. So it means that God speaks to them. On va être moins sectaire. We will be less sectarian. On va moins se moquer des païens. We will mock even less pagans. Regarde. Look. Le langage de Dieu. The language of God. Un chrétien qui n'a pas, qui ne prie pas, qui est désobéissant. Christian that is, you know, disobedient and who doesn't pray. Il arrive au travail. He gets to his work. Il est au milieu de païens. He is in the midst of pagans. Son patron lui dit, bon voilà, tu dois faire tel travail. His boss say, go and do this. Comment ça murmure? Begins to murmur, or it's not normal. And the colleague pagan, and then one of the pagan colleagues, he lui dit, says, toi aussi qui es chrétien? You also Christian? Vrai ou faux? Right or wrong? Voilà le langage de Dieu. This is the language of God. Il passe par un païen pour te reprendre. He goes through a pagan to, you know, to teach you. Et là, comme il a orgueil, il a plus de même. And as you know, there's come to go tout seul. But when you are on your own, the voice of the Holy Spirit comes. Et le Dieu te fait reprendre par un païen. You've been reprimanded. Tu as un mauvais témoignage. You have a bad testimony. À qui serait-il arrivé là? To whom this happened? Almost everyone. Voilà. Pourtant nous nous moquons des païens. And though, oh, les païens. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Alléluia, gloire à Dieu. Ce soir, Dieu parle à quelqu'un. Tonight, God speaks to somebody. Dieu parle. God speaks. Par les visions. Through visions. Par les sons. Through dreams. Par, n'est-ce pas, les circonstances. Through circumstances. Je prends un exemple. Let me give you an Dieu example. Me disait, God was saying, regarde mon fils. Look, my son. Yesterday, he was saying, je t'ai tapé as I was, you know, typing on my computer. Je parle aussi
par les circonstances, même parler. You know, je peux utiliser même un véhicule pour parler. Même les voitures. Use a vehicle to speak. Je dis, mais comment, Seigneur? Est-ce que c'est biblique tout ça là? Il me dit, bah, bien sûr. Yes. Yes. Le prophète Balaam. The prophet Balaam, prophète de Dieu, prophet of God, monte dans sa voiture. You know, he rides his car. Sa BMW décapotable. His BMW. Dis à ton voisin, son annexe. L'animal de transport. You know, this. Alléluia. Il monte, ça démarre normalement. You know, he gets on his donkey. Ooh. Arrivé dans un tunnel. As soon as he gets into a tunnel, tac. La voiture bloque. Straight away. Pas en panne. The donkey pulls up. Plus de jus. No more jus. Allez, 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 démarre. Go, go, go. Stop. Nothing. La voiture est à. The donkey is. Est en panne. Breakdown. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tu montes dans l'avion, tu dis, ah non, monsieur, dame, nous sommes désolés, le vol est annulé parce que l'avion est en panne. You know, it happens sometimes. You know, when you get into the plane, sometimes planes are canceled. Tu es charnel. Because the plane. Non, non, mais c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Non, le seul chrétien dans l'avion, the sole Christian, c'est toi. The plane is you. Et le seul râleur, c'est toi. Alléluia. Tu n'as même pas l'interprétation. You don't even have the interpretation. Pour comprendre que peut-être il y a un crash qui se prépare. Dieu ne fait pas de cela. Au lieu de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, toi qui crains Dieu, tu commences à dire, Satan, tu ne vas pas me bloquer. Satan, tu ne me bloqueras jamais. Satan, écoute-moi. Alléluia! Tiens, ton voisin, Dieu nous parle ce soir. Tiens, ton voisin, il y a trop de charme chez nous. On voit que c'est seulement les autres qui sont charnels. Nous sommes remplis de chair. We are full of flesh. We are all fleshly. Balaam prend son fouet. Bah! Balaam, première fois. His whip. Took once. La laisse. The donkey said. Bah! Une deuxième fois. Démarre! Second time. Pas une troisième fois. Three times. Pas de garagiste, pas de mécano dans le coin. No, on doit passer par le tunnel là, parce qu'il y a d'autres voitures qui arrivent. Dieu voyait la mort. Hein. And God was saying, you know, death. Devant. Ahead. Et puis la nesse a eu le don de vision et de prophétie. And the donkey received the gift of vision and prophecy. Ne suis-je pas ton ânesse? Am I not your donkey? Balaam était tellement en colère, charnel. Il n'a même pas crié, hein. Quand l'animal parle, hein. Il n'a même pas capté. When the animal spoke, il répond naturellement. Bien sûr que tu es mon ânesse. Therefore, my donkey. Mais quand on est charnel, on ne fait plus attention aux détails. We don't, you know, consider the details anymore. On est voilé, aveuglé. We are veiled and blinded. Il dit ça fait trois fois que tu m'as tapé. Three times you struck me. Les circonstances. Circumstances. Tu te réveilles un matin pour aller rendre visite à quelqu'un. Tu vas dans la voiture. You wake up. You get into the car and you know it doesn't work. Ceux qui sont envoûtés avec les enseignements erronés. Those who are bewitched with the false teachings. Se focalisent sur le diable, sur les démons. That push them to focus on the demons. Ils vont commencer à envoyer le feu. There will be the devil. Le feu dans mon dos. The fire in my engine. Alors que vous craignez Dieu. Well, if you God. Voilà nos chrétiens d'aujourd'hui. So this is the nowadays Christian. They send fire in the engines. Oh, moi, Dieu ne me parle pas. Oh, God doesn't speak to me. Je dis, Seigneur, là, Lord, here. Là, tu me parles. Now you speak to me now. Wow. Tous les jours, Dieu te parle. Every single day, God speaks to you. Comme tous les jours, les antennes relais émettent des ondes. Every day, you know, the antenna are sending tous waves les jours and wires. Toutes les secondes. Every second.
Dieu parle aussi de manière audible. You know, audibly. Vous savez pourquoi? You know why? Quand il parle de manière audible. Really, you know why God speaks, you know, audibly? Vous ne vous rendez pas compte. You don't realize, brothers. Avant la chute d'Adam. Before the fall of Adam. Tous les soirs, Dieu venait dans le jardin pour lui parler. Every single night, God would come to Adam and speak to him. Dieu ne lui parlait pas en dehors du jardin. God was not speaking to him, you know, c'était dans le jardin. Outside of the garden, he was inside. Adam était dans une zone ouverte. Adam was in a zone that was covered. Par le réseau, dans la présence de Dieu. By, you know, the roaming, in the ways and everything, in the presence of God. Tant qu'il était dans la sanctification, as he was in sanctification, la voix du Père ne lui faisait pas peur. Was not scary. Mais quand il est tombé dans le péché, but when he fell into the sin, la même voix est venue le soir. Same voice came at night. Cette fois-ci, Adam l'a entendu. This time, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que les Écritures nous apprennent. The Scripture teaches us. Exode 19 et 20. According to Exodus, quand Dieu parle, 20, sa voix ressemble à des coups de tonnerre. When he speaks, his voice is like lightnings and thunders. Tu veux faire une expérience? You want to experience it? Quand il y a l'orage là, des coups de tonnerre, when there's a storm, sors dehors, reste seul dehors. Go out and, you know, stand alone outside. Je suis convaincu qu'au premier coup de tonnerre, tu vas aller t'enfermer même dans une dans une bicoque. Tu vas creuser sous terre pour t'abriter. Et bien, quand Dieu parle, c'est comme ça. Whenever God speaks, c'est des coups de tonnerre. Flash of lightning here and there. Flash of lightnings and thunders. Il y a aussi des éclairs. And lightnings as well. Non, même pas. C'est même pas quand ça chauffe. Dans Exode 19, il était dans la 19, joie. God c'est sa nature. But you know, this is the nature of God. Sa voix ressemble en même temps à une son, au son de la trompette, c'est mélangé. Au grondement des eaux. You know, the tout ça l'a mélangé. Si on parle ici, moi le premier, je vais tailler. Je vais oublier que je suis un prédicateur ici. Alléluia! Frère, brother, Pierre, Jacques et Jean étaient où? Peter, James and John, sur la montagne de transfiguration. On the mount of transfiguration. Transfiguration. Regardez! And look, dans le contexte, in the context, Jésus venait de se révéler à eux. Jesus had just revealed himself. Qu'il allait mourir. That he would die. Qu'il était le Messie. And that he was the Messiah. Pierre l'a pris de côté. Peter took him apart. Tu ne mourras pas. You will not die. Non, tu vas mourir. You cannot die. Seigneur, Lord, j'ai entendu ta voix. I heard your voice. Mais j'ai pas compris ton message. I didn't understand your message. Tu ne dois pas mourir. You cannot die. You must not que die. Que deviendrai-je? What will I be? Nous avons tout quitté. We left everything. Le Père les a convoqués. The Father sur la montagne. Convoked them. Bring them up to the mount. Sur la montagne de la transfiguration. On the mountain. Matthew 17. Transfiguration in Matthew 19. Une voix. 17. Sort du ciel. A voice comes down from heaven. Celui-ci est mon fils. This one is my son. Écoutez-le. Listen to him. Frère, les trois apôtres. The three apostles. Pierre, Jacques et Jean. Peter, John, and James. On the ground. Visage hein, par terre. You know, face on the ils ne voulaient pas voir le ciel. Ils sont they didn't want to see the heaven. They hid themselves. Jésus arrive. When Jesus came, don't be afraid. Alors pour ne pas que nous ayons peur, so for us, not to Dieu utilise plusieurs moyens pour. God, il nous connaissons fragiles. Tu es fragile. He knows us, you know how fragile. Tu peux jouer fort comme ça. Wah, 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 you can pretend to be strong. Président ou pas. President si tu ne peux pas. Whenever tu vas voir le président dans la rue avant de mourir. Monsieur le président. Running outside. Alléluia. Alléluia. Dieu est trop fort. Never, God is too strong. Vous croyez que on ne connaît pas réellement Dieu. We don't know God, really. Regardez, allez dans les asiles psychiatriques. If you go into the asylum, parlez aux gens malades là-bas. Go and speak. Ils vont vous dire qu'ils ont entendu des voix. They will tell you that they hear voices, right or wrong. Une petite voix d'un démon. A tiny, tiny ça te rend fou. Of demon, you know, makes you foolish, crazy. Ils entendent des voix, non? J'entends des voix. Mais maintenant la voix de Dieu. Now the voice of God. Hein? Tu entends ça une fois là, comment ça va dire? Qu'est-ce que tu vas te cacher dans les arbres? Comme Adam. Just like Adam. Mais il y a des gens qui ont de grâce d'entendre cette voix. But people have this grace to hear. Tu fais ta vaisselle. When you are, you know, tu entends? Washing the dish, you hear. Jane. Jane.
sur toi. Mais c'est qui là? Si tu as le malheur d'aller voir un pasteur religieux, if you have the nerve to go to a religious pastor, qui dit que Dieu ne parle plus, that say that God does no longer speak, il va dire non, mais je connais un psychiatre. He will say no, I know a psychiatrist. Il m'aide toutes les semaines. He helps me every single week. Je crois qu'il peut aussi t'aider. On va te faire des piqûres. That will, you know, alors que Dieu t'a réellement parlé. Well, God really spoke to you. Qui a déjà entendu cette voix? Who already heard this voice? Vous voyez, vous êtes nombreux. Hein? See, you are never. Ah oui, vous n'êtes pas fou. And you are not crazy. N'allez pas voir les psychiatres. Don't go to any psychiatrist. C'est comme ça aussi que Dieu parle. And this is how God speaks as well. Tu es là. When you hear. Tu entends. And you hear. Appelle Jacques. Call James up. Celui qui reconnaît la voix du maître. He who recognizes the voice of the father, he will pick the phone and he will call Jacques. James. Et si Dieu te dit ah, if God says, ne rajoute rien. Don't add anything. Sinon c'est la mort. Amen. Otherwise it's death. Le langage de Dieu. The language of God. Job 33. Job 33. Vous êtes fatigué? Are you tired? Ah. Oui, ce soir là, je parle. Je suis enflammé. Job 33. Job 33. 14 et 15. 14, est-ce qu'on peut le lire à haute voix? Can we read it out loud, please? Job 14. Job 33, pardon. 33. 14 to 15. Tout le monde y est? Le lecteur de la parole. The readers of the Bible. Un, deux, trois. One, two, three. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Now one way, now another. Though men il parle par les visions, par les nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Alléluia. Dieu parle comment? How does that tantôt. In one way and another. Mais nous sommes tellement charnels. We are so fleshly. Nous voulons qu'il nous parle d'une seule manière. To speak to us just in one way. Regardez comment nous fonctionnons. Look how we work. Seigneur, j'ai des problèmes. Lord, I have issues. Je vais chercher ta face. I want to seek your face. Tu vas jeûner deux ou trois jours, une semaine. Fast 2-3 days. Et tous les soirs, tu vas prier. And every single Seigneur, night. Parle-moi ce soir. Lord, speak to me tonight. Tu vas endormir. You will fall asleep. Au lieu que Dieu te parle. Instead of God speaking to you, c'est un démon qui va t'attaquer. A demon will attack you. Comme tu l'entendais. And as you were, en fait, en te réveillant, when you woke up, tu peux te mettre en colère. You can be angry. J'ai demandé au Seigneur de me parler. I asked the Lord to speak. Mais c'est un démon qui m'a attaqué. A demon did come to me. Mais le problème est que cette attaque est le langage de Dieu. That this, you know, this attack is the language of God. C'est toi qui interprètes mal les choses. It is you that misunderstand things. Job dit que quand les gens sont profondément endormis, that when people, you know, fall, pourquoi Dieu attend-il que nous soyons endormis profondément pour parler? Wait us to be into parce que nous sommes occupés. Because we're, you know, busy. Téléphone, télévision, internet, la nourriture, nos oreilles entendent souvent les propos sanguinaires, tout ça. You know, on est matérialiste, tout ça. We're l'amour de l'argent, on a des dettes ici et là. On est complètement envahi par les soucis de la vie. By the troubles of life. Donc on n'est plus conscient de la voix de Dieu. So we are no longer aware de sa présence. Of the voice of God, nor of his presence. Notre monde, our world, nous fait croire makes us que sans diplôme, on ne connaît rien. Degrees, we are nothing. Sans papier, on n'est rien. Without donc paper, du coup, we are nothing. Les gens ont des soucis so, meaning that people, they have trouble pour les choses de la terre. For the things of the earth. Et on va gaspiller toute sa vie terrestre all our pour des futilités. Terrestrial life for, you know, things that worth nothing. Et on n'entend pas Dieu. And we don't hear God. C'est pour ça que quand Jean baptiste est venu, when John the baptizer came, ils l'ont pas saisi. They did not grasp him. Ils ont dit non, c'est pas lui. They said no, it is not him. T'as vu comment il a habillé? Did you see how he's clothed? C'est pas lui. It is not him. Quand le Messie est arrivé, when the Messiah came, voyez, you see, ils ont dit non, c'est pas lui. They said no, it's not him.
On attend quelqu'un d'autre. We are expecting something else. Somebody else. Il ne peut pas venir comme ça. He cannot come just like this. De Nazareth, ben non. Of Nazareth, moreover. Voyez comment nous sommes. Ça c'est l'homme. We are. This is man. Dieu souffre à cause de cela. God suffers because of that. Tantôt d'une manière, Dieu nous parle, tantôt d'une autre. In a way and another. Mes amis, my friends. Pour capter Dieu. In order to understand God. Capter son message. Il faut une message. Plusieurs choses dans la tête. Several things. L'oreille. But especially. Avoir l'oreille, le discernement. We need to have the ear, the discernment. Jésus parle. Dans Matthieu 13. Jesus spoke in Matthew. Tout le monde l'entend. Everybody was hearing. Mais très peu le comprennent. Few of them understood him. Et il dit aux disciples. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. To know the mysteries of mais pour les autres, heaven, but for the other people, ils entendent bien. They hear mais ils ne comprennent pas. But they do not understand. Dieu envoie ce message en ce temps dernier. Now in this le retour à la parole. The coming pour préparer l'église à l'enlevant. Regardez le langage de Dieu dans le monde. Brother, look, the language of God. La nature nous parle. Nature speaks. La création nous parle. Creation speaks. Les problèmes économiques et politiques nous parlent. Problems speaks. Voyez pas ce qui se passe près de ça. Things, les hommes auxquels nous étions si attachés. To whom we were so attached. Nos gouvernants, our governors, ne savent plus quoi faire. No longer know what to le chômage ne fait qu'augmenter. Dans les nations, de plus en plus de maladies frappent les hommes. You know, disease striking people. C'est le langage de Dieu. Language of God, all that. Mais combien de chrétiens interprètent-ils? How many Christians interpret that? Les Écritures, the scriptures, le langage de Dieu également, nous enseignent. They teach us. Que avant que Christ ne revienne, before Christ to come back, les nations vont éprouver les douleurs de l'enfantement. They will suffer the labor pain. Que le gouvernement mondial sera mis en place. The new world order will be established. Mais on voit ce chose. Le langage de Dieu nous entoure. The language of God, brothers, this surrounding us. Vous allumez la télévision. Dieu va vous parler par les informations. They will speak to you through the breaking news. Combien de chrétiens ont l'oreille de Dieu pour discerner le message du temps? To discern the message of the time, brothers. Vous savez pourquoi beaucoup ne discernent plus? Do you know why many of us don't discern anymore? Matthieu 25 dit. Matthieu 25 says. Les 10 vierges sont endormies. The 10 virgins are asleep. Plus de discernement. No more discernment. Il faut un cri. We need a cry. Il faut crier. We need to cry. Le langage de Dieu. The language of God. Alléluia. Alléluia. Dieu peut se servir de ta femme pour te parler. God is able to use your wife to talk to you. Son comportement vis-à-vis de toi. His behavior towards de son mari pour te parler. He can use your husband to speak to tes you. Enfants pour te your parler. Children to speak to you. De ta famille, ton your employeur. Family, your boss. Vous devez comprendre que Dieu est souverain. Rien ne lui résiste. Il a plusieurs manières de communiquer son langage. Dieu n'a qu'un langage, mais il a plusieurs moyens pour pouvoir communiquer avec son peuple, avec ses créatures. Et si tu ne comprends pas ce langage, if you don't understand this language, tu vas tourner. You will turn in circles. Tu vas faire d'église en église, you will go église. From churches to churches. Tu ne seras jamais satisfait. And you will be never satisfied. Seigneur, Lord, dans telle situation, in such situation, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? What do you want? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? What do you want to teach me? Et si tu n'apprends pas la leçon, if you don't, you know, understand tu ne sortiras pas de cette galère. You will not come out of this. Tu peux rester dedans des années et des années. You know, remain in this problem. Et pasteur peut prier pour toi. Pastor, may pray for prophétiser you. Sur toi. Prophesy of yeah. You. Nothing. Parce que tu n'as pas because you did not discerned. And discern the message of God. Et le jour où tu vas comprendre le langage, then you will understand the message. Personne ne te prendra les mains.
No one will lay hands on you. Un déclic. No, something will happen. Oh, Lolo, j'ai compris. Oh là là, toutes ces années, pendant lesquelles je suis passé à côté. Oh là là, Seigneur. J'ai jeûné, prié pour ça. Alors, c'était si simple. Well, it was actually as simple as that. T'es pas fatigué dans ton assemblée de chercher Dieu? T'es pas fatigué de la même sauce tous les dimanches? C'est comme si tu mangeais du riz tous les jours. It feels like you would eat rice every single day. La nature ne vous enseigne pas. Nature doesn't it teach you? Est-ce que tous les jours tu manges du poulet? Do you eat chicken every single day? Mais pourquoi tous les dimanches tu manges la même sauce? Why every Sunday you eat the same gravy every time, the same sauce? Parce que tu diras tu es né dedans. Because you were born in that. Quand t'as pas vu autre chose, c'est normal. Because you didn't see else thing, it's normal. N'abandonnez pas vos assemblées. Do not give up on your assemblies. Ça c'est un des versets favoris des pasteurs. One of the favorite verses of the pastors. Mais pasteur, je suis pas nourri. Pastor, I'm not, you know, fed. N'abandonnez pas. Do not give up on your churches. Non, non, ce que l'auteur voulait dire, what the author wants to say, n'abandonnez pas la communion fraternelle. Give up on the brotherly fellowship. Assemblée ici, c'est communion fraternelle. The fellowship is, you know, the assembly here. Mais tu peux pas communier avec des gens qui sont le péché. You cannot communicate la religion. Non. Si tu marches avec les forts, tu seras fort. You work with the strong ones. C'est ça la communion fraternelle. This is the brotherly fellowship. Vous comprenez? You understand? Dieu permet tes combats pour briser ton caractère. God allows your battles to break your character. C'est ça le langage de Dieu. This is the language of God. Tant que tu ne vas pas lâcher, as long as you will not Dieu va te résister. Abandon, the Lord will tant que tu ne vas pas dire Seigneur, to you. Maintenant, je m'en fous vaincu. I admit, I am defeated. J'arrête avec la colère. J'arrête avec les murmures. I stop the murmuring. Tant que tu n'arrêteras pas, as long as ton employeur va toujours t'affiner. Will always and always bother you. Toi, tu crois que la formation de Dieu c'est comment? Because what do you think the théologie to be? Non, chaque je vais à l'école théologique, c'est là que Dieu va me former. Ou, I am going ou, to the theological school. Au sensibilisation. The Lord is going to train me. Ben non. No way. Pas forcément. Dieu va te former. Il te forme tous les jours. The Lord trains you every single day. Dès ta conception, tu as commencé à te parler. As soon as you were formed, dès ta naissance, tu as commencé à te former. Speak to you. He began to train you. Non. Pour te redresser un peu. Des no, to fix you here and there. Tu vas t'énerver. You will be angry. Tu vas vouloir faire marche arrière. You will be willing to go backwards. Mais le Seigneur va continuer à faire malgré cela. But God is going to keep on work. Tu n'es que la poussière. Je ne suis que de la poussière. To remain dust. I am dust. Alléluia. Alléluia. Dieu va te tailler. The Lord will shape you. Jusqu'à ce que tu te diras. As soon as you say. Seigneur, je reconnais. As long as you say. Là, là. I learn. Bon. I admit. I recognize. Je ne peux plus rien faire sans toi. I cannot do anything without you. Hier, tu l'as dit. Yesterday you said. Aujourd'hui, tu vas le vivre. But today you will live it. Pierre. Peter. Oh, Jésus, oui, je suis là. Oh, Jesus, yes, here I am. Pierre, mon serviteur. Peter, my servant. Alléluia, je suis là, Seigneur. Alléluia, Lord, here I am. T'as vu? Did you see? Dans cette nappe-là, tu as vu tout ce qu'il y a dedans? Did you see? Regarde, sur la nappe. All the things that are into this cloth. T'as déjà vu, Père, le serpent, yeah, Piper, le serpent, du boa. Boas. Et le Pierre. And Peter. M'approche. He eats. Moi, Pierre, Seigneur. Peter eats. Jamais. Never ever. Pierre a entendu la voix. Peter heard the voice. Mais il n'a pas discerné. But he did not discern. Il n'a pas compris le message. He did not understand the message. Il a interprété de manière littérale. He interpreted literally the things. C'est ça le problème and aussi. And this is the problem. Là où il ne faut pas interpréter littéralement. Where you should not interpret literally. Beaucoup le font. Many do. Jésus n'a pas dit prendre ce poisson, ce serpent, la physique, tue-le, mange-le. Jesus didn't say take physical il parlait des païens. He was speaking about the pagans. Il dit à Jérémie. He said to Jeremiah. Que vois-tu, Jérémie? What do you see? Il dit je vois la manger. Les amandes. Tree. Il dit almonds. Ben c'est ça. Ça veut dire quand tu vois les amandes comme ça, mûries, mûres, ça veut dire que je veille sur ma parole pour l'accomplir. It means that if you see almond ripe like that, it means that I watch over my word to accomplish it. Yeah.
Seigneur, je veux me marier. Lord, I will get married. J'aime ça. Dieu nous dit, tu vas te marier. Lord says, you will get married. Alléluia. Amen. Bon. Dieu dit, ma fille, tu t'es marié. My daughter, are you married? Je vois un homme te marier. Ma fille, tu vas te marier. My daughter, you will get married. Elle est chrétienne, hein? She's Christian. Une prophétie est sortie. Prophecy. Et Dieu l'a confirmé ensemble. The Lord confirmed it. Alléluia, 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 amen. Mais quand elle interprète le message, when she interprets the message, elle interprète un homme qui fait 1m90. She understands and 1m97. D'origine camerounaise. Cameroon, from Cameroon. Ça, c'est son interprétation. This is her. Le message est correct. The interpretation, the message, elle a bien entendu. She understood. Mais elle a mal capté. She heard properly, but she misunderstood. Posez-moi la question, pourquoi? Why? Parce qu'elle est mélangée. Because je ne dis pas forcément la sœur est mélangée. Hein? Juste un exemple. This is just an example for you. Parce qu'elle a un souci d'éducation. Because there's, you know, her upbringing. Depuis son enfance, from her child, on lui a dit les Camerounais sont corrects. Was said that the Cameroonese people, les Congolais, il ne faut pas les approcher. People, les Français, encore moins ils nous ont colonisés. Yes, we've been colonized by them. Alléluia. Alléluia. Surtout pas. Certainly not. Le message est sorti. Elle est chrétienne. She's Christian. Elle aime Jésus. She loves Jesus. Mais l'interprétation. Maintenant, elle cherche now she looks for un Camerounais. Nous avons des problèmes. Qui reconnaît que vraiment il y a besoin de changement? Laissez-moi finir. Let me end. What do you know? Que soit là, c'est nous sommes sur Dieu nous opère, Dieu nous. The Lord, you know, we are having a surgery. Parce qu'elle a mal interprété le message. Because she misunderstood the language. Satan vient. Satan comes. Et nous donne une vision aussi. And gives, you know, and gives her a Camerounais. A Cameroon. 1m90. 1m90. La sœur maintenant va le chercher. Now the sister is going to look for him. 20 ans après. 20 years after. Et elle tombe sur un Camerounais comme ça. And she falls, you know, she bumps into comme elle le voulait. Just like she wanted. C'est un sorcier. But it's a sorcerer. Et elle est malheureuse. And she is, you know, she's unhappy. Le langage de the Dieu. The language of God. Seigneur. Lord. Je veux le réveil. I want the revival. Oh, le réveil. Oh, revival. Que mon prix soit réveillé, Seigneur. My contribution. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Oh, Lord, please. C'est lui qui prie comme ça. The one prays like that. C'est un Congolais. He's Congolese. Il est au Congo. He is in Congo. Il prie le Dieu prays de la Bible pour réveiller le Congo. The Bible for him to revive oublié but he forgot que Dieu est au-dessus des races. That God is above the races. Que Dieu ne voit pas les pays. That God does not Dieu see voit la terre seulement. Car quand il a créé Adam, because when he created Adam, il n'avait ni la France, there were ni la RDC, ni Brazzaville, tout ça. C'est rien de l'homme. All that comes from men. Maintenant, now, Dieu entend sa prière. God hears his prayer. Voilà que un Libanais arrive au Congo. And a man from Lebanon gets to Congo. Et il parle mal le Congolais. And he speaks badly Congolese. Ah, mais c'est lui que Dieu prend. But he is the one that the Lord chose. Et Dieu commence à l'utiliser. And the Lord began. Le Congolais qui a prié pour le réveil. And the Congolese man who prayed for him. He said, ah non. Ben non. No way. Il nous faut des Congolais. Congolais. Seigneur, il nous faut un Congolais. Who is a Congolese man? Et il entend la voix du Seigneur qui lui dit. And he hears the voice of God. C'est lui qui t'a sauvé. The one who saved you. Est-ce qu'il est Congolais? Is he Congolese? Ou est-ce qu'il est juif? Or is he Jewish? Le salut vient de. The salvation comes from the Jews. Tiens, nous avons des problèmes. We have issues. We have problems.
Et le Congolais en question, the Congolese man, cherche absolument un Congolais. He looks for another Congolese. Alors sa réponse est juste à côté. Well, actually, the answer is just beside. Un Libanais. A man from Lebanon. Le langage de Dieu. The language of God. Il est souverain. Il he fait ce qu'il veut. Il n'a le compte à rendre à personne. He has a account to give to nobody. Qui ne voyait pas les choses comme ça? Who wouldn't see things like that? Cet air que je respire. Regardez. Look, Dieu m'a dit pendant que j'écrivais ce livre. As I was writing this book, the Lord was saying, mon fils, my son, les pharisiens, the Pharisees, lisez la Torah. They were reading. Lisez la Torah chaque Shabbat. They were reading Torah every Sabbath. Qui annonçait ma venue. That was, you know, foretelling about my coming. Mais quand le langage de Dieu est venu. But when the language of God turned up. Regardez, il m'a dit. Look, he said. Cette étoile. This star. Tout le monde l'a vu. Everybody saw it. Bien sûr. Yes. Tout le monde l'a vu. Everybody saw it. Mais ce sont des magiciens. But only the sorcerers. Qui a eu l'interprétation. Received the interpretation. Oh Seigneur, mais c'est pas possible. I was like, Lord, it's not possible. Les religieux, the religious, avaient la Torah. They had Torah, ils l'ont pas interprété. But they did not interpret. C'est pour ça que le Seigneur a dit, the stars, les prostituées, les aveugles, the blind vont vous dépasser, they will overtake vont vous dévancer, they will overtake dans le royaume de Dieu. They will go ahead of you in the kingdom. Il m'a dit encore hier. And he said yesterday to me. Là, je rentre pas, je creuse, c'est dans le livre. I'm not entering too much. It's in the book. Il me dit il y avait la famine en Israël. There was famine in Israel. Two kings. Au point où des femmes mangeaient leurs propres enfants. To the point that women would eat their own child. Et children. Maintenant la bonne nouvelle. And now the good news is. Est venue. Has come. De quatre lépreux. From the five leperish people. Le langage de Dieu. The four leperish people. La lèpre, la maladie la plus répugnante. Leprosy. En Israël. The most les lépreux étaient exclus de la cité. In Israel, the leprous people were excluded from the et ce sont ces quatre lépreux. And those four leprous people. Les quatre évangiles. The four gospels. Après, ce sont ces quatre lépreux qui ont amené l'évangile. The gospel. Hein? Jesus Christ. Jesus Christ. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu comprends là? Est-ce que tu saisis la fin de ça? Il y avait la famine en Israël. There was famine in Israel. Les Juifs étaient assiégés. The Jews were, you know, besieged. C'est le cas de nos églises. And this is the case of our churches. Mes amis, maintenant la bonne nouvelle viendra. Today the good news will come for you. Mais bien sûr. Yes, it will. Matthieu nous a présenté. Matthew introduced. Matthieu un lépreux. Matthieu était déconsidéré par les Juifs. He was, you know, disregarded parce qu'il travaillait pour le camp des Romains. Because he would work, you know, for un lépreux. A leprous. Il arrive avec la bonne nouvelle. He brought the il présente aux Juifs le roi. The king to the Jews. Yeshua, l'aspect du lion. Jesus, you know, the king. Le message de Matthieu c'est le lion. Matthew was the king. Frère, c'est le message actuel. This is the le lion. The lion. Dans la tribu de Juda. Le deuxième lépreux, the second leprous, Marc, un homme rejeté, a rejected man, un homme déconsidéré, a man disregarded, par l'establishment, par les religieux. Marc arrive, Mark turned up, avec un message terrible, with a terrible message, le serviteur, the servant, Jésus le serviteur, Jesus the servant, établi pour servir, established, établi pour servir, established. Jesus Christ. Voilà qu'il y avait la famine. Et troisième lépreux. Luc. Plus de 132 fois. More than 100. Il a parlé de Yeshua. Spoke about Jesus. Comme le fils de l'homme. As the son of man. Le Dieu. The God. Qui s'est identifié à toi. Identified. Qui a pris l'apparence humaine. Pour mieux te sauver. In order to pour mieux te guérir. In order to cure. Le fils de l'homme. The son of man. C'est-à-dire tous les descendants d'Adam. Meaning all the descendants of Adam. Pour retrouver le salut. Can find the grâce au message. Salvation. Du fils de l'homme. Of
ministry of godliness is great. Le fils de l'homme, the son of man, il s'est mis à ton niveau. He put himself at some level. Il s'est mis à ton niveau. He put himself at some level. Il connaît mieux ton problème que personne. Your problem better than le fils de l'homme, the son of le man, le quatrième lépreux, the fourth leper, Jean. John est venu avec un message qui tue encore. Came with a strong message. L'aigle, the eagle, la divinité, the divinity, frère, brothers, la divinité, the divinity, mes amis, my friends, le fils de Dieu, the son of God. Au commencement était la parole. At the beginning, la parole était avec Dieu. Il faut qu'on nous le présente. We need him to...